Bonjour les amis, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes toujours le 9 mars 2019, je précise, au cas où si certaines personnes en 2100 regarderaient toujours ou encore ma vidéo, par contre, ils vont laisser des commentaires, je risque de pas vous répondre, hein, parce que je serai parti à la retraite. Voilà, voilà. Bon allez, on continue. Ah bah nous sommes ici. Ok, c'est la sortie. Ah y'a, je suis éveillé. J'ai vaincu le troll. Voilà, dans la précédente partie, nous avons fait notre preuve en allant vaincre le gros troll vicieux qui a kidnappé Menos, aussi étonnant que cela puisse paraître. Nous attendions tous à ce qu'il kidnappe Fina, vu que c'est la plus raffinée de tous. Mais bon, évidemment, ah, c'est chacun ses goûts, hein, après tout. Il y en a qui préfèrent les muscles, hein. Voilà. Donc, pauvre Amenos, il a cru que, qu'il allait y rester, quoi. Voilà. Et heureusement, on l'a sauvé, et donc... on a vaincu le troll vicieux, et là, on ressort de la caverne. Ouais, pas besoin de les tuer, ceux-là. Franchement, ouais, on va pas perdre de temps. Là, on casse vite fait ça. On récupère quelques cœurs, voilà. Poussez-vous de mon chemin, vous me gênez. Vous ne voyez pas que vous me gênez? Pas possible, ça, hein? Aïe! Saloperie. Ça a pas voulu. Bon, bah voilà. Ah, ça va pas. Bon. Notre chef se prépare pour le tournoi annuel. Vous pourrez l'affronter si vous remportez suffisamment de matchs. Vous vous inscrivez et vous allez voir au contour. Ah, mais c'est pas possible, ça. Il me dit tout le temps la même chose. Bonjour, vous voulez vous inscrire au tournoi wiki annuel? Vous voulez connaître les règles du tournoi? Oui. Que voulez-vous savoir? Le déroulement du tournoi, les duels, les astuces? Alors, le tournoi se déroule sous forme de combat singulier. Vous devez vaincre 6 guerriers en duel avant de pouvoir affronter notre chef. Le premier qui vaincra le chef remportera le prix. Cette année, c'est un truc ancien qu'on a trouvé en creusant le tunnel. Que voulez-vous savoir? Les duels. Lors d'un duel, vous devez aligner les games sacrés pour accumuler de l'énergie. Cette énergie vous permet ensuite de lancer des attaques spéciales. Vu que vous êtes encore un débutant, nous vous autorisons à bénéficier de l'aide de vos amis pour les attaques spéciales. Après votre tour vient... celui de votre adversaire. Vous devez le vaincre en lui faisant perdre toute sa vie. Seuls les vrais guerriers choisis par la grande tortue pourront obtenir des vies infinies. Alors... Allez. Si vous alignez au moins 4 games sacrés, vous pouvez rejouer directement. Ah. Ne laissez pas votre adversaire aligner 4 games à votre place. Repérez les couleurs des games qui sont utiles à votre adversaire. Que voulez-vous savoir? Rien du tout, c'est bon. Oh oh! C'est le signal. Le tournoi a commencé. Enfin, est commencé. Bonne chance et surtout bon courage. Il est où le tournoi? Êtes-vous prêt pour un duel? Ah ah! Ah, très bien! Ah, c'est comme ça. Ah, d'accord, c'est ça. Ah, ça, c'est le jeu qui avait... Moi, je pensais que ce serait les trucs qui tomberaient un peu comme le Puyo Puyo. Voilà. Mais non, c'est différent. C'est un truc, le même genre de jeu qu'on a sur les portables. Voilà. Tout simplement. Ah. Aïe, saloperie! Mais non, mais d'où tu me fais ça?
Attends, je regarde, je regarde. Ah mais il est fort lui, mais c'est pas possible ça, c'est un tricheur. T'as pas le droit de faire ça. Ah j'en ai pas l'Healing 4 là. Ah bon. Charge bestiale. Putain mais il a beaucoup plus de trucs que moi. D'accord, en fait là on peut le changer. Tu prends un truc, tu peux le changer qu'une seule fois. Ah je vois pas trop là. Très bien, il s'est calmé un petit peu. Ah, ça veut pas. Ah. Ah non. Faut vraiment que ce soit en ligne, les quatre. Attends, j'ai réfléchi, là. J'ai réfléchi. Non. Ah, t'es obligé de... Allez. J'ai eu un coup de chance, quand même. Ah, déjà, pour l'instant, il a moins de vie que moi. Vu qu'il est à 52 et moi 63. Hey. Mais non, d'où? Mais d'où tu me fais ça? Mais non, c'est à moi. Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'il me fait? Mais stop là, mais d'où il enchaîne? C'est à moi un peu. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il a foutu lui? Putain, c'est le premier que j'affronte, c'est déjà en mode difficile. Putain, mais sérieusement quoi. Aïe 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 aïe. Tiens, tiens, prends ça dans le mur, dans ta tronche. Hein? Mais j'ai aligné là. Oh là 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 là. Mais c'est tout ce que je fais. Oh là là. Attendez. Putain, il m'a niqué! J'y crois pas, il m'a niqué, quoi! Votre défaite était inévitable! Tais-toi! Pardon, tout va bien! Êtes-vous prêt pour un duel? Non, dommage! Tu m'énerves! Bon, après, c'est le même jeu, ok. Exactement le même jeu. Que faire? Tiens. Et là, on peut pas juste en déplacer un comme ça et. Non, on est vraiment obligé d'aligner au moins trois. Un truc. Voilà. Ah, c'est mieux là. Qu'est-ce qu'il me fait là? Hey, c'est à moi un peu. Putain, mais pourquoi? Pourquoi j'ai jamais des bonus comme ça, moi? Attends. Ok.
utiliser. Ok. Ah, je vois que là, apparemment, il me faut 6 trucs verts pour Fina. Et là, j'ai déjà tout ce qu'il faut pour Menos et Velvet. Velvet, pardon. Et là, il ne me reste plus que pour Fina. Si je pouvais déplacer ça là et là. Là et là, pardon. Évidemment, ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Aïe, 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 aïe. Ah, je peux pas faire ce que je veux. C'est compliqué. Très compliqué. Ah, ça y est. J'ai le rouge. Voilà, j'en ai déjà bien assez, mais c'est le truc de Fina qui me faut. Ah! Bon. Et là, je peux rien faire, hein. Ça fait quoi de plus? Mais comment tu déclenches la super attaque? Ah, j'y comprends rien. Aïe aïe aïe. Là, j'ai rien là. Attends, où est-ce qu'il y a. Où est-ce qu'on peut aligner 3 trucs? Ah là. Ok. Lui il me fait ça. Et moi je fais comment? Ah ça y est. Ah d'accord, il fallait appuyer sur un autre bouton et après tu utilises. Mais voyons Fina. Ah d'accord, c'est ça qu'il faut faire. Et là, Menos, apparemment, il peut l'utiliser 2 fois. Et elle? Attends. Ah, d'accord. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Ah, je l'ai fait bien mal. Ok. Là, j'ai encore assez pour Velvet. Ah bah voilà, c'est tout de suite plus facile, comme ça. Félicitations. Ça faisait un moment que personne ne m'avait battu. Je bouge. Et voilà. Petite sauvegarde. Vous devez vaincre. Voilà, c'est pas lui qui joue. Et vous êtes prêts pour un duel? C'est parti. Allez, tous en musique. Ah. Attendez, parce que là c'est intéressant. Sauf que j'ai pas les 4 trucs. Ah! Ah, excellent ça! Ah, ça fait plaisir! Ah, il est pas mal ce jeu, j'aime bien! Ah, si je pouvais mettre un vert ici, ce serait pas mal, mais bon. Évidemment, faut pas rêver. Ah! Ah, ça, je fais un double truc. Allez, là. Un petit jaune ici. Voyons, on va utiliser le truc de Fina, voyons. Ah ouais, c'est utiliser vraiment le nombre nécessaire de couleurs qu'on aligne. Allez, on récupère un petit peu de sous-sous. Je réfléchis, hein, mais bon.
Ah. Alors les rouges, je n'ai pas encore aligné des rouges. Bon. On va utiliser ça. Voilà. Donc apparemment si j'aligne les épées, mon personnage Dark peut attaquer directement le Viking. C'est quoi savoir. Ah, quand il me rit, ça veut dire que je peux les aligner. Ah très bien. Faudrait que j'aligne un peu les bleus, les jaunes et les rouges. Voilà. Ça. Ok. Je trouve les verts, mais là il n'y en a pas. Bon. Le. Ah bah voilà. Voilà, très bien. Bon. Aïe, aïe. Après, c'est pas si évident que ça. Là, faut vraiment réfléchir à ce qu'on va faire. Ah ouais, c'est pas mal ça. Elle a fait carrément le soin sur moi. Je sais pas trop comment il a fait, mais... Ah ouais, du coup, j'ai débloqué les pouvoirs des deux autres persos. Ah, très bien, ça. Mais non. Oh merde, il reste plus que 3 vies. Oh. Mais non. Ah c'est bon. J'ai eu peur qu'il m'attaque et qu'il fasse très mal, mais... Ça va, c'est bien passé. Allez, 2 sur 6. Allez donc, on n'est pas rendu. Je vous avais sous-estimé. Je reconnais ma défaite. Très bien. Êtes-vous prêt pour un duel? Oui. C'est l'heure du duel. Mais lui il dira qu'il fait un tour supplémentaire. Pas possible. Comment il fait? Ok. Ah bah je voulais aligner les trucs verts et ça a marché parce qu'il y a l'épée. Que j'avais pas vu, mais tant mieux. Voilà, ce qui me permet d'attaquer le Viking. Lui aussi, il m'a fait 9 fois plus de dégâts, apparemment. Bon. Ouais, on va utiliser Fina. Aïe 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 aïe. Ok,
Ouais, quand c'est un vrai, ça nous aligne vraiment, hein, qu'on peut les aligner. C'est un petit coup de pouce, quoi. Bon, les rouges j'en ai assez, il me manque plus que les jaunes et les verts. Ah bon, très bien. Très bien. Et maintenant les verts. Ah, non. Ah. Nickel. Je vois que je peux récupérer encore du verre. Comme ça, ça permet de nous soigner. Ça, c'est bien. 1 et 4, très bien. Allez, encore 4. Je remplis les poches avec ça. Ah bah c'est nickel ça. Allez, un peu de sous. Ah, je suis riche, hein. Plus de 7000 quand même. Tu osais m'attaquer? Très bien. Aïe, aïe, aïe. Allez, encore un petit coup de Fina. Et là, un petit coup de Velvet. Ça, je gèle ces trucs qui ont tout de suite dégelé, d'accord. J'ai gelé la possibilité d'attaquer, hein, son truc. Ah, je sais pas comment ça s'appelle, désolé. Il est assez prenant comme jeu quand même. C'est dangereux ça. Allez, soigne-moi Fina s'il te plaît. Seulement 5. Mais pourquoi? Ah bah très bien. Allez, la moitié. Moi, vaincu. C'est impossible. Mais si. C'est possible, avec la carte Kiwi. Vous m'avez déjà vaincu, mais vous avez la mère courte. Vous voulez que nous battions à nouveau? Non, 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 c'est bon, hein, si vous y... Si vous y tenez. Ah mince. D'accord, je t'ai pas monté au bon endroit. Allez, on est prêt. On est prêt. Je vois que là. Hein? Ok. Là, je vais contre-attaquer. Si possible. Hmm. Hein? Là, j'ai les trucs bleus, il manque les verts, les rouges et les jaunes. Aïe 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 aïe. Bon. Ah ben, tant mieux. Il m'a foutu un de ses coups de poing, lui. Allez. Très bien. Ouais, on va commencer avec elle. Voilà, mais comment ça se fait qu'elle me donne 5 PV au lieu de 10? Bizarre, ça. Ça doit faire mal.
Et voilà. Encore gagné. Vous êtes qui au juste? Je suis... personne. Êtes-vous prêt pour un duel? Très bien. Très bien, très bien. Ouais, on commence par se remplir les poches. Voilà, voilà. Et comme ça, on continue le combat avec le sourire. Mais non, il m'a pris mes verres. Bon, je prends les jaunes. Très bien. Ouais, encore les bleus. Ensuite... Ah, les verts. Ah. Aïe aïe aïe. Ouais, vu que j'ai aligné les 5 épées, forcément, plus de dégâts. Ah, j'ai bien mal. Ah. Allez, utiliser Minos. Allez, c'est bon, je suis pas content, hein. Oh là là, c'est quoi tout ça? Tous ces tours supplémentaires là? Oh non, j'aurais dû attaquer directement. Bah, il me reste 3 PV. Voilà, c'est bon. Comment avez-vous réussi à me vaincre? À me battre? Oh là. J'en fais à mon latin. Dexterminator, vous ici, mais quelle coïncidence après votre spectacle. Spectaculaire évasion de Colisée, j'ai été licencié. Tu me l'as déjà dit tout ça. Je veux pas te battre. Êtes-vous prêt pour un duel? Ah, mais c'est le dernier, les 5 sur 6. Et pourtant, il a beaucoup moins de vie que moi. Vu que j'avais pas compris le principe, évidemment. Aïe 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 aïe. Allez. Ouais, un peu de sous-sous. Ouais, Minos. Oh, mais non. Mais ça va, les tours supplémentaires. Ils sont berserker. C'est quoi ça? Ah putain, mais... Ok. Ah, lui, il est fort, hein.
Ah, il est fort, lui. Putain, il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. Allez, ça suffit. Oh là là. Mais d'où il me fait ça? Putain, mais il me fait tout ça comme dégâts, mais il est sérieux! Allez, stop! À mon tour! Ah, enfin! 15 PV! Bessarker! Allez, c'est reparti! Allez, tu vas y rester, oui! Oh! Ah, c'est bon. Inutile de paniquer. Moi, vaincu! C'est impossible. Ah, pourquoi tu répètes ce qu'a dit ton collègue? Quoi? Vous avez réussi à battre tous ces guerriers? Non, arrête! Au nom de la grande tortue, vous êtes autorisé à défier notre chef! Au revoir! Ah, oh, bonhomme de neige! Personne. Pensez-vous qu'il s'agit d'un piège? Pas sur le bonhomme de neige! Non! Enfin, je ne crois pas. Bah, ouais, trop bon, trop con, le bonhomme de neige. Il est invité chez lui et partir en laissant tout mouillé. Voilà. Il a pissé à la maison et il est parti, le bonhomme de neige. C'est ce qu'on va faire en tout cas, comme coup, hein. Malgré leur manière quelque peu rustre, ces Wikings semblent avoir un sens de l'honneur assez prononcé. Je n'imagine pas qu'ils utiliseraient la ruse pour nous piéger. Je suis d'accord avec toi, Velvet. D'après ce que j'ai compris, ils doivent combattre avec bravoure pour obtenir la vie éternelle. Je crains le pire pour les habitants du continent si les Wikings finissent leur tunnel et s'attaquent un jour à l'Empire. Je pense qu'il n'y aura guère de soucis à se faire à ce sujet. Ah bon? Pourquoi? C'est pourtant évident, Fina. Jamais dans l'histoire nous n'avons entendu parler de Wikings. Cela signifie qu'ils ne sont jamais arrivés jusqu'au continent. Effectivement, c'est évident. Mais alors, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ah. J'ai une théorie. Je n'ai pas de preuves pour en étayer l'étayer. Bien sûr, il faudrait rassembler des documents, fouiller des vestiges. Mais si j'ai raison, quelque chose a provoqué le dégel rapide de ce continent gelé. Ah oui, ça fond des gaciers, ça, ce que j'ai dit. La pollution. Mais qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer, mademoiselle Finette? Oh là. Velvet, pardon. Oh là là. Oh, le cerveau qui part en couille, là. Ça va pas. Calmons-nous, calmons-nous. Je ne vous ai jamais raconté comment j'avais récupéré mon livre. Celui qui me permet de lancer mon pouvoir de glace. Ah, mais c'est une descendante des Vikings, non? Non. Je dois avouer que je suis fort curieux. Jamais je n'avais vu un objet pareil. Oh putain, ça va pas. C'est super pratique, en tout cas. J'aimerais avoir le même à la maison. Il s'agit de livres de Boreas. C'est l'une des trois reliques magie légendaires avec la pierre du temps et la clé magie. Je l'ai découvert dans la bibliothèque impériale de Genova alors que j'y
mener des recherches sur les magies. J'ai réussi à en traduire une partie, ce qui me permet d'utiliser un petit peu de son pouvoir. Mais il doit être bien plus puissant encore. Putain, j'ai du mal à lire. Le livre avait été rapporté à la bibliothèque par l'anarchiviste Largo après une expédition au sud à l'époque de la Grande Guerre. Son récit semble correspondre. Il l'a trouvé ici chez les Vikings. Donc, si je comprends bien, c'est parce que ton livre a quitté cet endroit que la glace a fondu. Ah bon. C'est une possibilité. La fonte du continent gelé est un long processus, mais si elle se poursuit sur plusieurs siècles, elle pourrait entraîner une forte élévation du niveau des océans. Le monde serait alors presque entièrement recouvert d'eau. Seules quelques îles émergeraient encore. Ah bah c'est pour ça que plus on va dans le futur, plus l'eau est profonde en fait et qu'on peut pas passer. Parce que le bateau évidemment, vu qu'il touche le sol, elle peut pas flotter sur l'eau profonde. C'est tout à fait logique. Quelques îles émergeraient encore. Quoi ? Cela ne changerait guère l'avenir de mon peuple. D'ici là, il ne restera plus aucun démon. Dark ? Je sais que les longs dialogues t'ennuient et que tu aimerais pouvoir les passer, mais on discute de choses importantes là. Alors, on se réveille ? Allez. Oh mon dieu, elle m'entend, c'est pas possible. Je ne pense pas que ce soit d'exterminateur ou mademoiselle Fina. Le bonhomme de neige, on se réveille. Il ronfle. Hein, qui, quoi? Quelqu'un m'a appelé? Il te parle. Ah, il te parle, qui êtes-vous? Ah oui, ça y est, je me souviens. J'étais en train de me concentrer pour le tournoi que je me suis endormi. J'imagine que vous êtes là pour le duel. Dans ce cas, allons-y. Oui, je ne me suis pas présenté, je suis le chef des Vikings. Appelez-moi Jon Snow. Ok, enchanté. Jon Snow. Il n'a pas l'air bien méchant, Dark. Récupérons vite la récompense du tournoi. J'espère qu'il s'agit de fragments de la clé magique. Mon père m'a appris à ne pas me fier aux apparences. Prends garde à toi, ce Jon Snow est sûrement plus dangereux qu'il n'y paraît. Très bien. Un bonhomme de neige qui parle. Il me tarde de pouvoir étudier ce nouveau mystère de plus près. Ah, c'est quelqu'un qui s'est gelé. Quelqu'un qui est en dessous de la neige. Ah, vous êtes prêts pour le duel. Ah, 160! Ah, il a beaucoup de glace. Ah ouais, j'aurais pas dû... J'aurais pas dû aligner le gel. Très bien, c'est mauvais. Bon. Il m'a fait mal ou je rêve? Allez, stop. À mon tour. Ah. Allez, on l'attaque. Voilà, prends ça. Et ça. Ah, il me fait carrément une avalanche, hein, d'accord. Hein. Ah, il est comme ça, lui. Il m'a gelé, en plus. Ah, il a beaucoup de PV, mais c'est hallucinant. Enfin, après, c'est normal pour un boss.
J'espère ne pas trop galérer. Ouais, bon, je veux pas trop. Pourquoi je veux pas aller sur son truc là? C'est bizarre ça. Pourtant, je peux pas les utiliser. C'est vraiment étrange. Non. Mais. Ah. Ah, mais en plus, il me fait des fois plus de dégâts que moi. Hein, ça va pas le faire là. Ah mais non, en plus il se soigne, mais non quoi, mais non, arrêtez. Putain, il a 3000 PV et en plus il se soigne. Oh là là, mais c'est pas possible. Putain, mais il se dégèle direct! Mais non! Putain, je peux pas faire grand chose! Ah, c'est bon. Oula. Ah, j'ai un peu du mal. Tout va bien. Voilà, ça devrait te réveiller ça. Ah, 15 PV. Ouais. Ah, très bien ça. Bon, 8 de dégâts. C'est pas énorme. Mais c'est déjà ça. Ah, oh. Ah, ah ouais. Il y a un peu du mal, mais bon. Mais non. Donc apparemment c'est quand il aligne la glace, si j'ai bien compris, qu'il se soigne. Ah non. Ah on peut aller... Ah je croyais que tout ce qui était foncé, hein, on pouvait pas... Bon, ça va, j'arrive bien. On se calme là. Putain, mais on se calme. Mais non, mais qu'est-ce qu'il me fait? Putain, mais. Ah, mais c'est quoi cette chance qu'il a? Mais non, il me vole mes trucs en plus. Oh là là. Voilà que je débloque Velvet, voilà. Oh non, Fina, pardon, oh là, je confonds. Mais comment il fait pour arriver à faire autant de trucs, lui? Thank you.
fait tout ça, lui? Aïe, aïe, aïe. C'est pas fini, hein. Ouais, ça lui fait des glaçons en moins pour se régénérer. Allez, il faut du jaune pour Minos. Il faut du jaune. Non, j'en ai zéro en plus. Ah là là, mais... Putain, j'ai plus que 19 PV. Putain, le salaud. Non, pas de chance pour cette fois. Entraînez-vous et essayez. On va essayer encore une fois. On va prendre sa revanche. Tiens, prends ça. Ah merde! Putain, jamais je peux faire des 4, hein, des alignements de 4, quoi. Putain, sérieux! Ah! Non! Putain, balèze ce mec. Ah, merde, putain. Ah, mais non, je l'avais vu, l'alignement de l'épée, là. Ici, ma jolie. Voilà, après cette partie que j'ai gagné ou perdu, on va s'arrêter là parce que on est déjà presque 50 minutes là. Ça va pas ça. Je vais voir ce que tu vas voir. Là. Merde, je voulais faire les bleus aussi mais. Ah. Mais il faudrait surtout du vert en fait. Ah. Allez, on retourne un peu. J'accumule les trucs là avant d'utiliser mes pouvoirs. Ah bon, ouais, tant pis. Allez, viens. Voilà, j'ai pas pu utiliser grand chose. Hein. Allez, tout ce qui est en surbrillant, c'est tout ce que je peux détruire en fait. Là, il me faudrait 4 trucs verts. Un endroit où il y a 4 trucs verts. Bon. Bien, je comprends au fur et à mesure. Ça c'est bien.
Alors pour Minos, surtout les jaunes et les verts qu'il faut détruire. Puis l'épée pour l'attaque. Ouais. Ah, là j'ai trois rouges. Pas de vert, mais... pas trop en demander, c'est sûr. Là j'ai 2-3 attaques. Allez. Ça j'attaque, je fais une triple attaque. Et donc elle, on va être direct. Voilà. Ah. J'étais en train de réfléchir sur un truc, regardez si vous pouvez pas aligner 4. Ça j'ai mis du temps à réagir. En même temps je l'explique pour moi-même aussi parce que après quand je regarde mes vidéos je me dis mais qu'est-ce que je fous là, mais qu'est-ce que je fous. Voilà. Comme ça au moins quand je l'explique je comprends mieux. Ah voilà, 4 bleus. Là, on se prend les rouges. Ah oui, vu qu'elle attaque en horizontal, forcément, je récupère tout ça. Ou ça, ou ça. Trois, un triple attaque. Et peu de rouge pour Minos. Ah, ben c'est bon. Allez. Peut-être, en fait, ça dépend des trucs verts aussi que je récupère quand je fais l'attaque avec Tina. Enfin, je sais pas. Mais arrête avec tes tours supplémentaires là! Ah, je l'ai presque, là il ne reste plus beaucoup de vie. Ah, c'est du jaune qu'il me faut. C'est du jaune. Merde! Aïe, 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 aïe. Bon, là, je peux l'attaquer. Ah! Parfait! Ah, c'est parfait, ça. Allez, on récupère les verres pour Fina. Et là, on lui refait ça. Allez, le coup de grâce. Et voilà, nickel. J'ai réussi. Oh, 54 minutes. Oh là 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 là. Vous êtes véritablement de grands guerriers. Bien que n'étant pas Viking, vous avez réussi à remporter le tournoi. Félicitations, voici votre récompense. Quoi? Mais c'est quoi cette blague? On s'en fout du livre. Un deuxième livre de Boreas? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un artefact unique. Il ne peut en exister qu'un seul exemplaire. C'est pourtant impossible. Il s'agit bien du livre que Mademoiselle Velvet a trouvé dans la bibliothèque impériale et il doit en exister une version à cette époque. Votre exemplaire est celui qui vient du futur, mais il s'agit bien du même livre. Sir Minos, vous m'impressionnez. Je suis persuadé que vous auriez fait un grand roi pour
pour votre peuple si les démons avaient remporté la grande guerre. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'un deuxième livre? On a besoin du fragment de glace, de la clé magie. Cérès a pourtant dit qu'on la trouvera ici. Oh là là, j'ai du mal. Là, 55 minutes, là, ça craint, quoi. Je ne sais pas où se trouve le fragment, mais nous devons impérativement remettre ce livre à l'archiviste Largo. Ah, je suis largué. Je sais pas où il est. Mais pourquoi? J'aimerais bien avoir un livre de glace, moi aussi. Si nous ne lui remettons pas, cela signifie que nous modifierons l'histoire. Jamais je ne trouverai le livre dans la bibliothèque. Et jamais je n'irai visiter les ruines magiques sur l'île maudite. Et jamais nous ne nous rencontrerons. Les conséquences sont imprévisibles. Et oui. Elle a raison, Mademoiselle Fina. Nous ne pouvons prendre un tel risque. Moi non plus, je ne veux pas que tu disparaisses, Velvet. Il me semble qu'on a croisé ce Largo dans le village Wiking. Allons lui donner ce livre. Le livre et partons à la recherche du fragment de glace. Ces étrangers sont décidément bizarres. Je n'ai rien compris à ce que vous racontez. Tu ne sais rien, Jon Snow? Mais déjà, là, qu'on voit qui tu es vraiment. Dark, je crains que nous n'ayons déjà trop modifié le cours de l'histoire. Mais j'imagine que ce n'est rien à côté de ce qui se passera quand nous utiliserons la clé magie. Magie. Jamais je n'avais rencontré d'humaine comme Mademoiselle Velvet. Elle semble ne faire aucune différence entre les humains et les démons. Les deux sont sujets d'étude à ses yeux. Ah. Ok. Bon, ben, on va essayer de trouver ce Largo. Hein, pour lui remettre le livre. Et donc, j'espère que ce livre vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, ciao.